Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve enfin pour un update lecture. Ça fait une éternité que je dois vous filmer ce bilan de lecture. C'est pour tout vous dire les livres que j'ai lus au mois d'avril. Alors je suis à la bourre mais voilà, j'ai pas eu le temps. Voilà, c'est pas grave, c'est comme ça, mieux vaut tard que jamais. Et j'ai des chouettes lectures à vous présenter, donc voilà, on va commencer tout de suite. Je vais commencer par Edison. C'est un petit livre que j'avais acheté pour faire une, comme lecture du soir pour mes enfants. Donc c'est de Torben Kuhlmann. Du coup là c'est la fascinante plongée d'une souris au fond de l'océan, mais il y en a d'autres, il y en a un sur Armstrong, il y en a un sur... je ne sais plus, mais voilà, il y en a d'autres dans la même édition, donc c'est chez Nord Sud et c'est vraiment une très très belle histoire. Donc voilà, les personnages principaux sont des petites souris. Voilà, j'adore les illustrations. Voilà, à la fin, je vous l'avais déjà présenté, mais vous avez un petit topo sur Thomas Edison. Mais j'imagine que si vous prenez celui sur Armstrong, ce sera Armstrong qui sera à la fin. Voilà, et ouais, j'ai beaucoup aimé cette lecture. Alors il est long, il fait plus d'une centaine de pages. Pour Lilian, je l'ai lu en 2 fois parce que, même 3 fois, 3 fois il me semble, parce qu'au bout d'un moment il m'a dit maman, ben voilà, je suis fatiguée, j'ai envie de dormir. Donc on l'a lu en plusieurs fois. Et c'est plutôt très sympa, voilà, comme approche de ces grands personnages. Donc ici on va suivre une petite souris, Peter, qui va venir à la rencontre d'un grand chercheur avec une lettre d'un de ses ancêtres qui va lui dire que voilà, il avait un trésor et lors de sa traversée sur un bateau, eh bien le trésor et lui auraient sombré et donc cette petite souris, Peter, va tout faire pour aller chercher le trésor de son ancêtre. Mais comment faire quand on est une souris pour aller explorer les fonds marins? Donc voilà, c'est une formidable aventure d'une petite souris qui part à l'aventure dans les fonds marins et ouais, c'est très bien et j'ai beaucoup aimé. D'ailleurs je pense bah voilà, continuer la collection avec pourquoi pas celui sur Armstrong et puis il y en a un autre qui me parlait bien, je me souviens plus. Bref, il y en a 3 ou 4 et ils sont très bien. Voilà. Donc c'est quelque chose que je vous recommande chaudement en sachant que c'est quand même... c'est pas jeunesse finalement. Moi, voilà, Lino aime bien les histoires, il aime bien toutes les histoires. Je peux lui lire une de mes petites BD. Je lui avais lu les... Lulu et Nelson, voilà, je lui avais lu Lulu et Nelson. C'est des choses, si on lui lit, il apprécie, il aime les images, il découvre des choses, il demande des explications sur certains mots, mais c'est quand même plus adulte, c'est pas, voilà, ou grand enfant, on va dire ça comme ça. Mais voilà, c'est une très très bel objet livre et moi j'ai beaucoup aimé ces petites aventures de cette petite souris. Ensuite, pour continuer dans les graphiques, j'avais précommandé La Sentinelle du Petit Peuple. Donc c'est le tome 1, La Pommade de Fée. Donc c'est de Fern, Carbone et Barreau, paru aux éditions Dupuis. Voilà, on va suivre cette jeune fille qui va partir vivre chez sa grand-mère qui a eu un accident. Et donc pour organiser un petit peu sa maison, son départ et puis peut-être son séjour à l'hôpital, et eh bien sa fille et sa petite-fille vont aller vivre quelques jours chez sa grand-mère. Et lors d'une visite dans un centre de rééducation ou à l'hôpital, la petite fille va lui cueillir un bouquet de fleurs de son jardin. Et elle va découvrir une fleur qu'elle ne connaît pas. Pourtant, sa grand-mère lui a appris les fleurs, les feuilles, voilà. Elle lui a transmis ce savoir-là. Et elle va l'accueillir pour faire plaisir à sa grand-mère et lui faire un joli bouquet. Et quand sa grand-mère va voir cette fleur, elle va être toute paniquée et elle va lui expliquer que les fées, les elfes et tout de son jardin ont un souci et qu'il faut qu'elle les aide puisque elle peut pas, donc elle transmet un petit peu le flambeau à... Et, sa petite fille va la prendre un petit peu... va lui dire oui grand-mère si tu veux mais voilà sans vraiment y croire. Et puis sa fille elle va complètement lui dire qu'elle est folle et qu'il faudrait la mettre en EHPAD parce que c'est pas possible, elle peut pas rester comme ça chez elle, surtout si elle s'imagine voir des fées quoi. Enfin bref, et du coup sa grand-mère va lui dire eh bien écoute va dans mon grenier et fabrique-toi la pommade des fées et mets-toi-en sur le visage, enfin sur les yeux. Ça te permettra de voir ce que tu ne vois pas, donc le petit peuple. Et du coup, elle va se dire, bon, de toute façon, j'ai rien à perdre, et puis elle va essayer. Et effectivement, elle va voir ce monde merveilleux. Et c'est très très chouette, moi j'ai beaucoup aimé. Donc effectivement, le petit peuple était en danger. Et donc, il va falloir qu'elle les aide. J'ai vraiment, vraiment adoré cette lecture. Je vais vous montrer un peu les planches. Donc voilà, j'ai vraiment beaucoup aimé moi cette lecture. Quand je l'ai notée sur Livre Addict, j'ai vu qu'il y avait certaines personnes qui trouvaient que c'était du réchauffé, qu'on avait déjà vu énormément de BD dans ce genre-là, notamment La Boîte à musique qui est là. J'ai que le premier tome parce que moi j'avais pas accroché à La Boîte à musique. Et là, voilà, j'ai plutôt bien aimé et ouais, je pense que je poursuivrai les aventures avec Adélaïde et sa petite fille Amélia, je crois. Non, Alina, pardon. Et voilà, je suis très contente d'avoir retrouvé une nouvelle petite saga de BD. Pardon. Parce que finalement, j'en ai pas beaucoup. Voilà, je suis avec grande attention Lulu et Nelson parce que j'adore. Mais c'est tout en fait. Si, et il faudrait que je continue un petit peu Princesse Sarah parce que j'avais bien aimé. Mais voilà, sinon j'ai pas vraiment de saga de... Enfin, de saga, oui, de lecture... comme ça de BD. Je vais vous montrer celle-là, je l'adore cette planche. Voilà, donc je vais essayer de me pencher là-dessus. Ensuite, toujours dans les graphiques, j'ai lu le tome 2 de Reine d'Égypte, donc de Shihimudo, paru aux éditions Kion Kizuna. Ici, on va suivre Akitsu. Toujours pas le dire, Hatshepsut. Voilà, donc c'est cette jeune reine d'Égypte qui va essayer de voler le trône à son mari. Il faut savoir qu'en Égypte, le pouvoir n'appartient pas aux femmes. Si le roi et la reine ont une fille, eh bien quand cette fille va se marier, elle va transmettre le pouvoir à son époux. Voilà, c'est pas possible que ce soit une femme qui gouverne. Et donc là ça va être plus ou moins un mariage arrangé entre frères et sœurs ou demi-frères et demi-sœurs. Et Hatshepsut est très en colère parce que elle se sait capable de pouvoir gouverner son pays. Elle veut pouvoir prouver qu'elle peut gouverner son pays et surtout le faire mieux que son frère. Et donc on la suit à travers un petit peu ses aventures pour essayer de prendre le pouvoir et de se faire sa place au royaume d'Égypte. Et j'aime beaucoup, voilà, j'aime beaucoup la mythologie égyptienne, j'aime beaucoup l'Égypte. Et je vous montre un peu les planches. J'aime beaucoup les dessins aussi. Et j'aime beaucoup ce personnage d'Hatshepsut qui est à la fois fort mais très humain. Voilà, elle n'est pas insensible quand elle voit les fouets claqués sur le dos des esclaves. Elle n'est pas insensible quand elle voit les enfants réduits à l'esclavage. Enfin voilà, c'est quand même une personne qui a du cœur. Alors je ne sais pas si c'était réellement la réalité du personnage, voilà. Mais en tout cas, dans le manga, c'est un personnage fort, intelligent et comment faut dire, un petit peu... pas malicieux, mais disons qu'elle sait faire ses petits coups en douce et mais voilà toujours ben, en pensant à son peuple, en pensant aux personnes qui vivent autour d'elle. Donc voilà, j'aime beaucoup et je lirai le tome 3 pour tout vous dire. Je pense que je vais me l'offrir là en cours en juin pour le mettre dans le challenge Toute une histoire organisée par la chaîne Lisa Taylor. Alors, donc nous sommes plus seuls, j'espère qu'elle va nous laisser un petit peu tranquille la petite puce, mais voilà, je pense qu'elle avait besoin de vos mamans, du coup je l'ai ramenée là. Donc vous savez hein, que si vous entendez baragouiner, c'est parce que y a ma petite fille qui est juste à côté avec nous. Ouais. Donc je continue et tout début avril, j'ai terminé le tome 4 des Gardiens des cités perdus. Je l'ai lu fin mars, début avril. J'avais très envie de fantasy à ce moment-là et j'aime beaucoup cette saga de fantasy dans laquelle je suis plutôt bien. J'aime beaucoup les personnages et j'avoue que quand j'ai refermé celui-ci, j'avais très envie de lire le tome 5 que j'ai aussi dans ma bibliothèque. Mais je me suis un petit peu raisonnée parce que il me semble que pour l'instant il n'y a que 8 tomes qui sont sortis. Donc voilà. Donc le tome 4 il s'appelle Les Invisibles, donc c'est de Shannon Messenger si toutefois vous étiez passé à côté de cette saga de fantasy. Donc, moi je les ai chez Pocket Jeunesse, donc voilà, qui ont sorti les formats poche. Ici on suit donc Sophie qui est une petite blondinette là. Donc je vais vous résumer plutôt le tome 1 hein, pour éviter de spoiler, vous voyez. Donc dans cette saga on suit Sophie qui est une humaine qui vit plutôt mal dans son univers. Elle a un pouvoir un peu particulier puisqu'elle entend ce que les gens pensent et puis elle est très intelligente. Ce qui fait qu'à l'école, avec ses petits camarades, ça se passe pas très bien et elle est plutôt exclue, elle est très seule et elle est incomprise, que ce soit par sa famille, son entourage ou bien les gens de son âge ou ses professeurs, parce que du coup elle les met très mal à l'aise car elle a beaucoup plus de connaissances qu'eux. Et puis un jour va débarquer un jeune homme qui va lui dire qu'elle n'appartient pas au monde des humains, qu'elle est une elfe. Et là il va avoir une révélation pour cette jeune fille qui va comprendre pourquoi elle ne se sentait pas à sa place dans le monde des humains. Et elle va se rendre compte que même parmi les elfes, elle est étrange, voilà. Puisque elle a des pouvoirs hors du commun, des pouvoirs que personne d'autre n'a, des pouvoirs qui n'ont apparemment pas de limite et que personne ne peut maîtriser. Et même elle, voilà, comme elle connaît, enfin comme elle n'a pas appris, elle a du mal à les maîtriser. Et donc on la suit dans son évolution dans une école où elle va apprendre à maîtriser ses pouvoirs et elle va se rendre compte qu'elle est l'élue, voilà, que c'est un petit peu sur elle que le monde elfique a misé pour un petit peu changer les choses, parce que dans ce monde où tout paraît parfait, il y a quand même quelques petites choses qui ne vont pas. Voilà, et comment vous dire, ce tome 4 m'a mis très mal à l'aise parce que y a un revirement de situation pour un personnage qui m'est très cher. Voilà, j'ai tendance à m'attacher au meilleur ami un petit peu déjanté, un petit peu rigolo, voilà, qui font les clowns, qui essayent toujours d'attirer un peu l'attention. Vous voyez, donc ici il s'appelle Kief, et puis dans la quête des Willan, c'est Simon, vous voyez. Je crois que je dis pas de bêtises. Si, il s'appelle Simon. Enfin voilà, j'ai tendance à m'attacher, voilà, aux personnages secondaires et là voilà, donc c'est Kief qui va apprendre déjà dans le tome 3 des choses difficiles sur sa famille et ici bah voilà, on continue à s'acharner sur ce personnage jusqu'à la fin et mon dieu, j'ai hâte de lire le tome 5. Bref, mais comme j'ai pas le tome 6, voilà. J'y vais doucement. Pour continuer dans les choses que j'avais envie de lire, bien que je n'ai rien lu que j'avais pas envie de lire, mais j'ai commencé le mois d'avril en me disant j'ai envie de ça. Et je vous avais dit j'avais envie d'histoire, mais voilà, je voulais de l'histoire un petit peu plus... enfin je vois pas comme ça en fait. Du coup là c'est le procès de la momie de Christian Jack. J'ai bien aimé ma lecture hein, au-delà du fait que c'était pas ce que je recherchais. Du coup moi je l'ai dans les éditions Pocket. Vous savez j'aime beaucoup les formats poche, ça me permet de les lire un petit peu partout. Salle d'attente de médecin, salle d'attente dentiste ou n'importe où. Enfin bref, ça me permet de lire un petit peu n'importe où. Et donc ici on est en 1821 et un explorateur va ramener une momie d'Égypte et il va organiser un spectacle du débandelettage de cette momie. Je ne savais même pas que ce mot existait pour être tout à fait honnête. Et lors de ce débandelettage qui va pas très bien se passer puisque certains, il y a un prêtre dans l'assemblée et pour lui voilà, les Égyptiens et leurs croyances c'est des trucs monstrueux, c'est anti-catholique, enfin, voilà, il va faire tout, un procès limite, mais bon voilà, du coup il va avoir un riche homme d'affaires, il me semble, qu'il va manquer complètement de respect pour cette momie. Enfin voilà, ça va être un petit peu, bizarre comme ambiance lors de ce débandelettage. L'explorateur va même vendre bandelette par bandelette, les bandelettes qui momifiaient cette momie. Et donc voilà, c'est même certaines urnes, certaines pièces, enfin bref, il va vendre un petit peu tout ce qu'il peut pour pouvoir se faire de l'argent grâce à son spectacle. Et le lendemain matin, les trois personnes qui auront offensé cette momie, oui parce que du coup elle est partie aussi avec un médecin légiste pour qu'il puisse l'autopsier et voir un petit peu, enfin révéler les secrets de la momification. Et le lendemain matin, comme je vous disais, les trois personnes, donc le prêtre, le riche homme d'affaires et le médecin légiste, seront retrouvés morts. Et on aura, enfin la seule l'arme du crime qu'on aura retrouvée à côté d'eux, vous savez, c'est le crochet qu'on servait pour aller chercher le cerveau et l'extraire par le nez. Et bien évidemment, ils n'auront plus le cerveau. Et donc, bah voilà, ça devient un petit peu problématique. Dans un Londres de 1800 où un mouvement révolutionnaire rêve de décapiter le roi d'Angleterre comme on a pu faire à notre roi de France, voilà. Du coup, eh bien, les services de police vont demander de l'aide à un inspecteur qui est à la retraite, donc c'est l'inspecteur Higgins, que j'aime beaucoup. Franchement, je me suis bien attachée à ce personnage, il est plutôt sympa, voilà, je l'imagine très très bien, voilà, ce petit personnage, un petit peu les cheveux grisonnants, un petit peu rondouillés, enfin bref, je me le suis bien représenté, qui du coup, l'inspecteur Higgins était à la retraite dans un petit cottage, enfin voilà, le cliché anglais par excellence, mais du coup j'ai beaucoup aimé. Donc ils sont allés le chercher en lui disant que voilà, il y avait une enquête, s'était passé ça, 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 et qu'en gros bah, on le voulait parce que c'était le meilleur, on le voulait sur cette affaire, donc on vient l'extirper de sa retraite pour qu'il aille résoudre cette enquête. Et on lui fait un petit peu, entre guillemets, du chantage, puisque cet inspecteur Higgins rêve de montrer une brigade policière qu'il appellerait Scotland Yard. Donc voilà, voilà, il va se mettre à enquêter. Et le petit bémol, si je puis dire, c'est que, allez, à environ la moitié du livre, j'ai refermé, j'ai dit à mon chéri, je pense que l'assassin c'est un tel. Et arrivé à la fin, l'assassin c'était bien un tel. Alors je me suis pas spoilé tout le récit parce qu'il y avait entre guillemets deux enquêtes en parallèle, donc le mouvement révolutionnaire qui cherchait à zigouiller le roi et l'enquête sur les morts liés à la momie, à l'Égypte, mais voilà, je me suis un petit peu spoilée, voilà. J'ai bien apprécié, j'ai passé un bon moment de lecture, mais c'était pas vraiment ce que je recherchais à ce moment-là, parce que comme je vous l'avais dit, je cherchais vraiment comment dire, je cherchais à apprendre quelque chose d'historique. Et là, finalement, j'ai rien appris puisque il n'y avait aucun passage qui était en Égypte. Le fait qu'on retirait le cerveau lors de la momification, je le savais déjà. Enfin, voilà, il n'y avait aucun... Enfin voilà, il n'y a eu aucun intérêt intellectuel et c'était vraiment ce que je recherchais. J'aurais voulu apprendre certaines choses sur l'Égypte, tout en romançant le truc, hein, je veux pas me bouffer un pavé sur l'histoire, on est bien d'accord. Mais voilà, c'était pas réellement ce que je recherchais, mais c'était plutôt sympa, voilà. Ensuite, je fais ça. Ensuite j'ai lu donc Peter Pan de James Matthew Barry. Moi j'étais une grande fan de Peter Pan, mais dans la version de Walt Disney, qui je trouve finalement n'est pas si éloignée de ce Peter Pan là. Enfin, comment dire, quand je dis n'est pas si éloignée, je trouve que quand même, pour regarder Peter Pan avec mes enfants maintenant, alors avec mes yeux d'adulte, je le vois comme un personnage assez égocentrique, assez irritant, assez narcissique. Voilà, parce que bah, quand vous êtes jeune, vous ne le voyez pas comme ça. Mais là, voilà, je vois ces traits-là, et dans ce bouquin, dans l'œuvre de James Matthew Barry, c'est vraiment poussé à l'extrême. Peter Pan, il est insupportable. Enfin voilà, c'est pas sympa. Enfin voilà, mais après c'est très caricatural, c'est très imagé, mais voilà, je trouve que pour le coup, c'est bien représenté. Enfin voilà, j'ai beaucoup aimé ce livre, j'ai eu un énorme coup de cœur pour Peter Pan. Pour tout vous dire, je pense que c'est un livre que je lirai, que je relirai, que je re-relirai. C'est même un livre que je pense offrir à un de mes enfants. Voilà, il y a des livres comme ça, je pense que il y en a un, enfin, j'en ai gardé un pour mon aîné, celui-ci, ça sera celui pour mon petit Julian. Voilà, je vais probablement lui dédicacer. Mais bon, voilà, j'ai adoré et je l'ai lu 2 fois dans la foulée en fait. J'aime beaucoup les images qui sont employées. Pour ceux qui l'auront lu, vous verrez ce que je veux dire. Cette maman qui le soir vient au chevet de ses enfants et vient ranger les pensées de ses enfants tout en, bah voilà, en mettant les belles pensées, les rêves d'aventure, les rêves imaginaires, etc. au-dessus, et puis en rangeant bien au fond, vous savez, toutes ces idées noires, toutes ces choses qu'on rumine. Je trouvais ça très beau. J'ai beaucoup aimé comment naissent les fées clochers. Pour ceux qui n'ont pas lu le bouquin, lisez le bouquin. J'ai beaucoup aimé, enfin voilà, Peter Pan, ça a toujours été une de mes œuvres préférées, sans avoir lu l'œuvre originale pour tout vous dire. Je vais pas vous résumer Peter Pan parce que l'histoire, je pense qu'on la connaît tous, parce que la trame y est, hein, enfin voilà. Mais voilà, c'est une œuvre qui est très touchante, qui est très belle et que j'ai beaucoup aimée. Et ouais, que je relirai avec beaucoup de plaisir. Je vous dis, attendez, je voulais vous montrer. Je ne fais pas ça habituellement. Je n'annote pas les bouquins, je ne laisse pas de post-it, je n'écris pas dedans, je fais pas. À mon part quand j'étais à l'école, mais sinon c'est pas quelque chose que je fais. Et là j'ai noté des pages, je me suis mis des petits pense-bêtes, des citations que je trouvais belles, enfin des petits passages. Et ouais, j'ai été transportée par cette lecture. Je l'ai pas bouffée parce que j'y étais bien et que j'ai voulu la savourer. J'aurais pu, hein, elle fait 200 pages, 230 pages, j'aurais pu la lire hyper vite, mais non. Ça a été une lecture doudou, ça a été une belle lecture, et Peter Pan quoi, Peter Pan. Je suis très contente d'avoir enfin réussi à lire ce grand classique. Ah, j'ai envie, là vous voyez, j'ai envie d'y retourner. J'ai envie d'y retourner. Mais voilà, bref, lisez Peter Pan. Vous verrez pas forcément un héros très sympathique, parce que Peter Pan n'est pas sympathique. Vous verrez une facette de crochet peut-être un peu plus sympathique, parce que ouais, j'ai découvert un crochet un peu plus attachant que dans l'œuvre de Walt Disney. Mais voilà, j'ai adoré cette lecture. Je vous le spoil, il sera dans mes coups de cœur de fin d'année, parce que voilà. Ensuite, le dernier livre que j'ai à vous présenter dans ce book haul, et après je pourrai enfin tout ranger, C'est Le goût amer de l'abîme de Neil Shatterman. Moi je l'ai chez Nathan. Enfin moi je l'ai chez Nathan. Je sais pas s'il est sorti au format poche. C'est un roman jeunesse. Voilà. Ça se présente comme ça dedans. Donc ça se lit très très vite. Et vous avez des pages qui sont illustrées. Et je dois vous dire, avant de vous résumer ce roman, donc c'est illustré par son fils, il me semble. Il me semble que c'est illustré par son fils, je ne sais plus. Mais ça retrace un petit peu la vie de son fils. Et ici on parle de schizophrénie. C'est une maladie psychiatrique. Et j'ai trouvé le livre très 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 touchant. Bien que j'ai eu énormément de mal à me plonger dedans réellement. Si on suit Cadenne, un jeune garçon qui va avoir une vie tout à fait normale, il va au lycée, il rentre chez lui, il a des activités sportives, il a des amis, il est même plutôt bien apprécié. Et puis un jour, tout va basculer. Il va plus se sentir à sa place, il va plus réussir à dormir. Il va avoir un petit peu des idées suspicieuses. Ce genre d'idée où il se dit, bah tiens, lui, enfin, ce camarade de classe veut me tuer. Sans savoir ni pourquoi, ni comment, mais il le sait. Et il en est tellement persuadé qu'il en a peur. Et en fait, il le sait. Voilà, alors que le camarade, il lui a jamais lui a dit bonjour. Enfin voilà, il a jamais manifesté la moindre envie menaçante, enfin voilà, il a toujours été normal avec lui, sauf que je sais pas, peut-être un jour il l'a regardé de travers ou il l'a pas regardé un tel jour et du coup il s'est dit tiens il me veut du mal et lui il veut me faire du mal et dans sa tête ça va aller plus loin et ça va devenir une obsession et c'est même pas, je sais pas comment vous dire, il est incapable de se raisonner en se disant mais non t'es ridicule, cette personne ne te veut, enfin elle veut pas. Il le sait, c'est en lui, enfin je sais pas comment vous dire, et c'est ça la schizophrénie, c'est que en lui il va croire que, en tout cas certaines personnes lui veulent du mal, jusqu'à penser que ses parents lui veulent du mal, jusqu'à penser que son professeur lui veut du mal. En fait on va le voir sombrer vraiment dans l'abîme de cette maladie, et pour lui ça va être illustré comme, pas comme un naufrage, mais comment dire... par la mer, les fonds marins, enfin voilà, on va le suivre, enfin, je sais pas comment dire, c'est hyper complexe à expliquer, mais en tout cas, voilà, on suit ce personnage sombré dans la maladie, mais ce qui est difficile dans cette lecture, c'est que vous avez en parallèle donc la vie réelle de Cadenne, et puis en parallèle une espèce de vie psychique, où il est sur un bateau, et vous retrouvez... plus ou moins au bout d'un moment vous arrivez à faire des liens entre certains personnages, enfin voilà, mais c'est assez brouillon, c'est pas toujours très clair, mais je pense que dans sa tête c'est pas toujours très clair non plus. Enfin voilà, j'ai longtemps hésité à poursuivre cette lecture et puis j'ai vu que ça avait été un énorme coup de cœur pour beaucoup. Je dirais que pour moi ça a été une lecture compliquée parce que j'ai eu beaucoup de mal à le finir et à retourner dedans jusqu'à la fin en fait, et la fin... si je vous lis la dernière phrase, mais pour moi ça représente vraiment ce qu'est la maladie psychiatrique, en tout cas la schizophrénie. Un schizophrène n'est jamais soigné, il est toujours sous traitement, c'est pas une maladie qui se soigne. C'est vrai que les schizophrènes, enfin j'ai peur de dire une bêtise parce que je suis pas du tout spécialiste, mais en tout cas ce que j'en ai retenu de mes études, c'est que le combat du schizophrène ça va être bah déjà de ne pas s'estimer guéri parce que s'il arrête ses traitements il va replonger, donc de se soigner tout le temps, et ça c'est très compliqué. Je me souviens en stage que ma monitrice m'avait dit il y en a beaucoup qui au bout d'un moment quand ils n'entendent plus les voix ou quand ils sont stables, au bout d'un moment ils s'estiment guéris et donc ils arrêtent les traitements et au final ils replongent. Et c'est très compliqué, voilà, c'est très très compliqué. Et donc le combat de ce jeune homme, en gros, hein, c'est comme il fait un lien entre la mer, l'océan, enfin, et la navigation avec sa maladie. son but à lui, c'est de dire non à, voilà, à son équipage qui lui dit bah allez viens, c'est d'être pour l'instant, et il sait, enfin il sait pertinemment qu'aujourd'hui il gagne une bataille mais il n'aura pas gagné la guerre face à cette maladie, et ça je trouve ça très fort et c'était hyper poignant. Je trouve que c'est une très belle leçon de vie. Donc voilà, c'est quand même une très très bonne lecture, c'est pour ça que du coup je le garde dans ma bibliothèque, parce que même si ça a été une lecture laborieuse, j'ai adoré la fin. Voilà, j'ai adoré la fin. Je sais pas si on peut aimer un livre juste pour sa fin, mais c'est une très très belle leçon de vie. Et voilà, c'est tout pour ce bilan lecture. Vous voyez, c'est un petit peu pour ça que j'ai des difficultés à vous les filmer. Parce que j'ai un peu de mal à me retrouver toute seule face à la caméra, et j'ai besoin d'être au calme pour pouvoir réfléchir, trouver mes mots, trouver les bons mots, pouvoir me rappeler un petit peu voilà, de l'histoire, ce qui m'a plu, etc. etc. Donc voilà, c'est pas le tout de vous présenter un livre, de vous dire je l'ai lu, je l'ai aimé. Il faut aussi que je vous dise un petit peu ce qu'il en est dans le livre, et puis pour vous donner aussi envie de le lire, et puis vous argumenter pourquoi j'ai aimé ce livre, c'est bien aussi. Donc voilà, j'ai besoin d'être au calme pour ça, et puis je pense que pour vous c'est plus sympa de ne pas avoir ma crapulette à côté qui baragouine, bien que là je pense qu'elle va se mettre à parler. Voilà, donc là c'était l'occasion parce que j'ai mon chéri à la maison et que du coup il s'occupe de ses grands. Et il a essayé de s'occuper de la louloute là, mais elle a voulu être avec maman. Ouais, il a voulu être avec maman, moi. Donc voilà, mais ça va, elle a été silencieuse cette fois. Donc voilà, c'est pas facile de trouver le temps pour ça, j'espère y arriver, et je pense vous filmer des updates dans les vlogs que je vous filme, comme ça, ça m'évitera d'avoir des gros updates à faire à chaque mois. Les livres que j'aurais déjà, dont j'aurais déjà parlé dans mes vlogs, et n'apparaîtront plus. dans les vidéos updates, ça me permettra d'élaguer un petit peu la quantité comme ça, et puis de pas être trop en retard, parce que sinon voilà, et il y a plus d'intérêt à présenter des livres en update qu'en book haul, donc voilà, c'est quand même la vidéo les plus intéressantes, enfin selon moi. Voilà. Donc voilà, je vous invite à venir me retrouver en commentaire si par hasard vous avez lu un de ces livres, ou si vous avez envie de lire un de ces livres et d'en savoir un petit peu plus, si vous voulez qu'on échange en commentaire, n'hésitez pas. J'essaye d'être présente en commentaire le plus souvent possible. C'est vrai que je fais au mieux, mais j'essaye de venir assez régulièrement. Mais en tout cas, je réponds à chaque commentaire, même si c'est pas tout de suite. Donc moi je vous laisse là, je vous souhaite à tous une très 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 bonne fin de journée ou début de journée, peu importe en fonction de quand vous regardez cette vidéo. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Salut!